All right, everyone. Well, we can get started while I let people in the background here. There are a lot of people signed up today, which is always great, obviously. I'm Tess Galen. I'm the events assistant here at the Athenaeum. During the event, if everyone can just stay muted, so that way Eric can give his presentation and we don't have any interference. There'll be time to ask questions at the end. So you can unmute yourselves at the end if you want to ask your question, and then there'll be plenty of time for that. Today's program is the last of our female French writers. Very exciting. And so then after this, we'll be going on to explorers. So I'll share a link at the end for the next event, which will be May 18th, I believe. So you don't have to worry about that right now. I'll send everyone the link at the end. And because I'm always asked, yes, this is being recorded. So if you miss anything or want to share it with someone, I'll send everyone the link at the end. All right, you can get started, Eric. Merci beaucoup Tess. Merci encore à l'Athénéum de Philadelphie pour nous recevoir régulièrement. Alors, comme l'a dit Tess, aujourd'hui nous allons conclure la série sur les femmes de plume française avec George Sand, et cela va être une présentation d'environ 50 minutes. Et je vais m'efforcer, comme toujours, de parler assez lentement et distinctement. Alors, la mère de George Sand s'appelle Victoire Laborde, nous y reviendrons. Mais George Sand est le nom de plume d'Aurore Dupin de Franqueuil. Elle voit le jour le 1er juillet 1804 à Paris, au tout début du Premier Empire. Son père, Maurice, est un officier de l'armée impériale française. C'est le fils d'un riche financier qui épousa la comtesse de Horn, issue de la maison du maréchal de Saxe, liée au roi de Pologne. On le voit donc du côté paternel, il y a une alliance entre la finance et la haute aristocratie. Comme je vous l'ai dit, la mère de George Sand, Victoire de Laborde, est quant à elle d'origine bien plus modeste. Elle est élevée par ses grands-parents, ils sont marchands d'oiseaux sur les quais de Paris. Alors c'est une femme d'une grande beauté, mais qui a de nombreuses liaisons, dont est issue une fille hors mariage, Caroline, nous y reviendrons. En 1800, Maurice tombe follement amoureux de Victoire. Alors, tous deux ont alors 27 ans. Lui aussi, d'ailleurs, est déjà père d'un petit garçon, Hippolyte, qu'il a eu avec une bonne, mais qu'il ne reconnaîtra jamais, bien sûr. En juin 1804, 4 années après leur première rencontre, Maurice épouse Victoire clandestinement à Paris. Alors c'est une véritable mésalliance. Sa mère, Madame de Saxe, est furieuse. Et un mois plus tard, Victoire met au monde Aurore. Et c'est donc dans ce contexte de crise familiale que naît la future George Sand. Elle sera désormais éduquée avec son demi-frère, Hippolyte, dans la propriété de sa grand-mère au château de Nohant, dans le Berry. Alors, la carrière militaire de Maurice l'emmène en Espagne en 1808. Victoire, enceinte d'un nouvel enfant, décide de le rejoindre à Madrid, contre son avis. Elle accouche en Espagne 2 mois plus tard. Aurore a désormais un frère, Auguste. Mais hélas, il est aveugle de naissance. Maurice demande donc un congé car il souhaite faire soigner son fils à Paris. Il achète à grands frais une
calèche et remonte vers la France avec sa petite famille. Le voyage s'effectue en juillet sous une chaleur accablante. La famille fait étape dans le centre de la France, au château familial de Nohant. Malheureusement, le petit Auguste est pris de fièvre. Il ne survit pas à ce long voyage et meurt chez sa grand-mère, Madame de Saxe. Alors Maurice en veut beaucoup à sa femme Victoire à cause des risques insensés qu'elle avait pris pour le rejoindre en Espagne. Une grande dispute s'ensuit. Il la tient responsable de la mort de son fils Auguste. Alors le sort veut que le mariage de Maurice et de Victoire arrive rapidement à son terme. Alors qu'il revient d'un dîner au galop, Maurice fait une chute de cheval. Une semaine donc après le décès de son petit garçon, il se tue accidentellement. Aurore est désormais orpheline de père. Elle n'a que 4 ans. Et cette mort inattendue va définitivement séparer Madame de Saxe de sa belle-fille. Alors Victoire ne va pas se remettre de la perte de son mari et de son fils. Pendant 1 an, elle vit avec Aurore au château de Nohant, chez sa belle-mère, dans une ambiance lourde. Et en janvier 1809, elle abandonne à la comtesse l'éducation de sa fille contre une pension annuelle. George Sand s'en souvient très bien et écrira plus tard, je cite, « Dès que j'étais seul avec ma mère, je la couvrais de caresses en la suppliant de ne pas me donner pour de l'argent à ma grand-mère. J'aimais pourtant cette grand-mère si douce qui ne me parlait que pour me dire des choses tendres, mais cela ne pouvait se comparer à l'amour passionné que je ressentais pour ma mère. » Et donc, dès l'âge de 5 ans, Aurore a la douleur de voir partir sa mère qui s'installe à Paris. George Sand dira plus tard, « J'ai eu l'impression d'être vendue par ma mère. » Alors, grâce à la pension offerte par la comtesse, Victoire va maintenant pouvoir s'occuper de sa première enfant, Caroline. C'est un vieux précepteur, François Deschartres, qui s'occupe désormais de l'instruction d'Aurore et de son demi-frère Hippolyte. Selon les souhaits de la comtesse, il leur transmet les idées progressistes du siècle des Lumières, où la religion tient très peu de place. Aurore grandit donc sans souci, d'autant qu'elle développe une excellente relation avec sa grand-mère, une femme délicate et cultivée. Elle s'attache fortement au domaine de Nohant, à cette campagne berrichonne, à ses champs et ses forêts. Elle peut laisser libre cours à son imagination et s'épanouir dans la nature. C'est une enfant contemplative, tournée vers le merveilleux et le surnaturel. Durant l'hiver, Madame de Saxe a pour habitude de s'installer à Paris avec ses 2 petits-enfants. Adolescente, Aurore peut donc revoir sa mère, qui élève sa demi-sœur, Caroline. Les visites sont rares. Il faut aussi noter que, suite aux exigences de Madame de Saxe, il est interdit à Caroline d'avoir des contacts avec Aurore. Cela va blesser fortement les 2 filles. Petit à petit, les relations d'Aurore avec Victoire finissent par se distendre. D'autant que la comtesse va briser le cœur de sa petite fille en lui révélant que sa mère est une femme qui vit de ses charmes. Aurore en souffrira cruellement
pendant des années. Alors, peu assidue dans ses études, elle acquiert à l'âge de 14 ans un esprit rebelle. Sa grand-mère décide alors de la mettre en pension au couvent des dames augustines anglaises de Paris pour parfaire son éducation. Elle y restera 2 ans, de janvier 1818 à avril 1820. Elle ne va pas y apprendre grand-chose, sinon se rapprocher de la foi catholique. Elle dira plus tard, avec nostalgie, « J'ai découvert l'existence en commun avec des êtres doucement aimables et doucement aimés. » Mais la comtesse doit retirer sa petite fille de cette pension car elle traverse une crise mystique. En effet, Aurore entend des voix qui lui ordonnent de lire les évangiles. Elle est aussi sujette à des visions. À 16 ans, la voilà donc de nouveau au château de Nohant, où elle retrouve ses habitudes auprès de sa grand-mère et de son demi-frère Hippolyte. Mais désormais, elle se sent en communion avec Dieu, un Dieu sensible au cœur, comme elle l'écrit. Et si plus tard, George Sand sera viscéralement anticlérical, elle ne remettra jamais en cause l'existence de ce Dieu qu'elle aime. Lors de l'été 1820, la santé de Madame de Saxe décline. Alors qu'Aurore a 17 ans, sa grand-mère est atteinte d'une attaque cérébrale. Elle passe de longues nuits à la veillée, en vain, car la comtesse décède en décembre 1821. Aurore hérite donc du château de Nohant ainsi que de toutes les ressources financières de Madame de Saxe. C'est le comte René Vallée de Neuville, propriétaire du château de Chenonceau, qui est désigné comme le tuteur d'Aurore. Cependant, Victoire exige que sa fille la rejoigne à Paris, ce qui est fait en janvier 1822. Ce départ forcé est un traumatisme pour Aurore. Sa relation déjà dégradée avec sa mère se détériore encore plus. Victoire va donc confier sa fille à des amis de son défunt père, les Retiers du Plessis. Ils vivent avec leurs 5 filles dans un château près de Melun. Aurore passe ainsi plusieurs mois parmi eux et elle s'y plaît beaucoup. C'est là qu'elle rencontre le baron François Dudevant, un ami des Duplessis, avocat à la cour royale. Alors, c'est un jeune homme d'origine gasconne dont les parents ont fait fortune aux Amériques. Il s'éprend d'Aurore, riche héritière, très convoitée. Elle va accepter sa demande en mariage, moins par amour que par envie de se débarrasser de la tutelle de sa mère. Et c'est donc à 18 ans qu'Aurore épouse François. Elle sera désormais connue sous le nom de baronne Dudevant. Elle s'installe avec son époux au château de Nohant. Mais si elle croit avoir gagné sa liberté, elle va vite se rendre compte que le baron attend d'elle soumission et obéissance. Pire encore, elle s'aperçoit que le baron est un homme grossier et peu cultivé. Au fond, ils n'ont rien en commun. Et c'est dans ce contexte que naît en 1823 leur premier fils, Maurice. Hélas, cet enfant ne rapproche pas le couple. Peu après la naissance de Maurice, le baron gifle sa femme en public pour un motif sans intérêt lors d'une soirée chez les Duplessis.
Quelque chose se brise alors dans le cœur d'Aurore. Rien ne sera plus jamais comme avant. En 1825, le baron et la baronne font un voyage dans une station thermale des Pyrénées. Là, elle rencontre par hasard Aurélien de Sèze, un royaliste ardent, avocat à Bordeaux. Elle en tombe passionnément amoureuse. Mais leur relation reste platonique, car Aurélien est un catholique pratiquant. Pourtant, elle va permettre à Aurore de reprendre goût à la vie. Si leurs rencontres sont rares, ils vont échanger des années durant une correspondance fidèle. Elle sera éditée d'ailleurs un siècle plus tard par sa fille sous le titre « Le roman d'Aurore Dudevant et d'Aurélien de Sèze ». En 1827, la baronne revoit au château de Nohant Stéphane de Grandsagne, un ami du Berry qu'elle n'avait plus revu depuis 5 ans. Tout comme elle, il est passionné de sciences naturelles. Très vite, ils deviennent amants et leur aventure va durer 2 ans. En 1828, Aurore, 24 ans, donne naissance à une petite fille, Solange. Le baron doute d'en être le père. Il sombre dans l'alcoolisme et devient horrible avec sa femme et couche avec les bonnes du château. Désormais, tous deux font chambre à part. Aurore négocie son départ de Nohant et rejoint la capitale. Elle s'installe dans un modeste appartement du quai Saint-Michel, dans le quartier latin. Elle commence à mener une vie de bohème, théâtre, musée, concert, bibliothèque, restaurant. Elle découvre de jeunes artistes et poètes qui portent des costumes extravagants. Elle parvient même à obtenir une permission de travestissement auprès des autorités. À l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de s'habiller en hommes. Et voilà qu'elle porte redingote, une énorme cravate en laine, et se fait même couper les cheveux jusqu'aux épaules et se couvre d'un grand chapeau de feutre mou. Plus tard, elle écrira que ce choix vestimentaire lui avait été dicté pour des raisons financières, car elle dit « L'achat et l'entretien des toilettes féminines sont bien trop coûteux. » Mais la vérité, c'est qu'elle adore s'habiller en garçonne. La baronne est maintenant décidée de profiter de sa liberté. Alors que son mariage se délite petit à petit, elle rencontre le romancier Jules Sandeau. Elle s'éprend rapidement de lui et c'est le début d'une nouvelle liaison amoureuse. Ils s'affichent désormais ensemble dans la capitale et écrivent des articles en commun pour le journal Le Figaro. Puisque Jules sait qu'Aurore est attirée par la littérature, il lui propose d'écrire ensemble un roman. Ce sera Rose et Blanche ou La comédienne et la religieuse. Alors ce roman sera publié en 1831 sous le pseudonyme de Jules Sand. Sand étant le diminutif de Sandeau. Le livre est bien reçu à Paris et un éditeur décide de commander un nouveau roman à la suite de ce premier succès. Et cela tombe bien. En effet, Aurore vient d'écrire Indiana lors de l'hiver 1838-1832. Elle propose donc son nouvel ouvrage à l'éditeur. C'est un roman où une femme, Indiana, est désenchantée par son époux autoritaire et courtisée par un jeune homme, Raymond. Mais Raymond est un prétendant peu fiable.
qui a séduit Noun, la femme de chambre de la maison. Noun se rend compte très vite que Raymond est amoureux d'Indiana et elle se suicide par dépit en se jetant dans la rivière voisine. Alors, dans ce livre, George Sand dénonce la condition des femmes soumises et surtout l'inconstance des hommes. Alors, Jules Sandeau, qui n'a pas collaboré au roman, refuse par modestie que le livre soit publié sous le nom de Jules Sand. Un compromis est donc trouvé. Aurore va garder le nom Sand. Elle y ajoute un prénom d'origine grecque, Georges, qui signifie « celui qui travaille la terre ». Elle revendique donc ses origines campagnardes. Mais aussi, en choisissant un prénom masculin, elle pense déjà à sa carrière d'auteur, car il est plus facile d'être lu lorsque l'on est un homme. Georges présente également l'avantage de l'ambiguïté, une sorte d'androgynie qu'elle affectionne. Enfin, elle écrit Georges sans S, car à l'époque, l'anglomanie bat son plein à Paris. Alors plus tard, l'écrivaine britannique Virginia Woolf sera très critique envers Georges Sand. Elle déclarera George Sand est avec George Eliot l'exemple regrettable d'une femme prisonnière des conventions sociales qui lui fit adopter un nom de plume masculin. Mais qu'importe, George Sand est né en 1832 alors que la baronne vient de fêter ses 28 ans. 3 mois seulement après Indiana, George Sand publie Valentine. Alors, sa situation financière s'améliore grandement et elle commence à gagner en notoriété. Elle déménage dans un logement plus vaste et plus confortable, situé à Saint-Germain-des-Prés. François Bouloz, le directeur de la célèbre revue littéraire La Revue des Deux Mondes, lui offre un contrat de 4000 francs par an. Pour cela, elle doit écrire 32 pages pour la revue toutes les 2 semaines. C'est donc une écrivaine très occupée. Petit à petit, la baronne commence à se lasser de sa relation avec l'écrivain Jules Sandeau. Elle le trouve paresseux et sans véritable ambition. En 1834, leur rupture est consommée. Alors il s'ensuit une brève liaison avec l'écrivain, architecte et archéologue Prosper Mérimée. Mais finalement, elle trouve que, je cite, « c'est un amant misérable, manquant de virilité ». Alors fort heureusement pour elle, le succès littéraire, lui, est au rendez-vous. En août 1833, elle publie Lélia, une œuvre allégorique qui fait partie des romans philosophiques et féministes de George Sand. Lélia est une femme remplie de doutes métaphysiques qui a prématurément subi les affres de la vie. Elle est poursuivie par Sténio, un jeune et fragile poète qu'elle ne parvient pas à aimer. Lélia va alors pousser involontairement le poète vers le suicide. Et là encore, le succès est immense auprès du public français. Alors, suite à Lélia, Georges Sand se prend d'affection pour Marie Dorval. C'est une actrice de théâtre, célébrissime à Paris et élevée au rang de mythe national. Très vite, la haute société parisienne s'interroge. Y aurait-il entre ces deux femmes une relation amoureuse ? Je cite ici un extrait d'une lettre
équivoque de la baronne à l'actrice. Je ne peux vous voir aujourd'hui, ma chérie. Lundi, matin ou soir, au théâtre ou dans votre lit, il faudra que j'aille vous embrasser. Je travaille comme un forçat. Ce sera ma récompense. Adieu, belle entre toutes. Mais qu'importe si aujourd'hui les historiens se disputent à ce sujet. En tout cas, leur relation, quelle qu'elle soit, est intense. Elles vont jusqu'à collaborer à une pièce de théâtre, Cosmina, ou la haine dans l'amour. Alors, c'est un drame sentimental créé par George Sand à la Comédie française en avril 1840. Marie Dorval y tient bien sûr le rôle tragique de Cosmina, qui finit par se suicider. Encore une histoire de suicide, si j'ose dire. Hélas, cette fois, le succès n'est pas au rendez-vous. 7 représentations seulement au théâtre. Mais cela n'entame pas pour autant leur profonde amitié. Autre rencontre en 1833, la baronne fait la connaissance du célèbre écrivain de la période romantique, Alfred de Musset. À 22 ans, il est connu pour avoir écrit Comte d'Espagne et d'Italie, et sa réputation de dandy et de séducteur n'est plus à faire. Dès juillet, ils sont amants et Musset s'installe chez George Sand. Lyrique, il déclare, la postérité retiendra nos noms comme ceux de Roméo et Juliette. Alors, il va y avoir entre eux une complicité qu'elle ne retrouvera sans doute plus jamais, sinon dans sa correspondance avec Balzac ou son amitié avec Flaubert. Alors, quelques mois après leur rencontre, Musset et Sand forment le projet d'un voyage en Italie. Ils s'embarquent à Marseille en décembre. Hélas, George Sand supporte mal le voyage. Elle est victime d'une dysenterie et atteinte d'une forte fièvre. Les deux amants se replient sur Venise en janvier 1834. Toujours souffrante, elle doit rester alitée pendant 2 semaines. Quant à Musset, volage. Il en profite pour tromper sa maîtresse. Mais il tombe malade à son tour. Fièvre, délirium, hallucination. Bien que blessée par les infidélités d'Alfred, elle fait appel à un jeune docteur, Pietro Pagello, pour soigner son amant. Très vite, elle ne peut résister à la beauté de Pagello et décide de rompre avec Musset. Beau joueur, ce dernier lui conserve son affection. À la même période, elle se lie d'amitié avec le compositeur hongrois Franz Liszt que lui a présenté Musset. Elle entretient avec lui une correspondance fournie et c'est ainsi que va naître un recueil, Lettres d'un voyageur, un ouvrage composé de 12 lettres en prose lyrique. Alors que son aventure se poursuit avec Pietro Pagello, elle décide finalement de quitter l'Italie et rentre à Paris avec lui. Mais après quelques semaines dans la capitale, elle souhaite retrouver son domaine de Nohant. Elle invite Pietro à la suivre. Cependant, il préfère les attraits de Paris à ceux de la baronne et décide de rester dans la capitale. C'est la fin d'une aventure qui n'aura duré que quelques mois. Musset reprend espoir et souhaite raviver la flamme éteinte à Venise. Georges et Alfred se revoient, tentent de retrouver leur amour perdu
sans y parvenir. Alors, dans un accès de romantisme fou, elle coupe sa magnifique chevelure qu'elle lui envoie dans une boîte comme preuve de son amour. En novembre 1834, la baronne rencontre le fameux peintre Eugène Delacroix. En effet, François Bouloz, le directeur de la Revue des Deux Mondes, souhaite offrir à ses lecteurs un portrait de l'écrivaine. Et c'est ainsi que Delacroix va immortaliser George Sand, cheveux courts, costume d'homme et le visage empreint de tristesse. Elle écrit, je cite, « Ce matin, j'ai posé chez Delacroix. J'ai causé avec lui en fumant des cigarettes de paille délicieuses. Je racontais mon chagrin à Delacroix, car de quoi puis-je parler sinon de cela ? Et il me donnait un bon conseil. « Laissez-vous aller, disait-il. Quand je suis ainsi, je ne fais pas le fier. Je m'abandonne à mon désespoir. Il me ronge, il m'abat, il me tue. Et quand il est fatigué, il se lasse à son tour et il me quitte. » Et George Sand de poursuivre, « Le mien me quittera-t-il ? Hélas, il augmente tous les jours. » Mais l'avenir semble s'éclaircir. Lorsque Musset reçoit le colis avec la chevelure de George Sand, il est bouleversé. Et en janvier 1835, il se retrouve. La baronne triomphe et écrit « Alfred est redevenu mon amant ». Mais hélas, ce n'est qu'un bref moment de répit. Lors d'une énième dispute, Alfred la menace avec un couteau devant ses enfants, Maurice et Solange. C'est la scène de trop. Le 6 mars 1835, George Sand rompt définitivement avec Alfred de Musset. Leur liaison aura duré un an et demi. Mais si elle s'est mal terminée, cette aventure n'aura pas été vaine. En effet, c'est grâce à Musset qu'elle rencontre le penseur socialiste et philosophe Pierre Leroux. Elle est subjuguée par ses idées sur un nouvel ordre social, mais aussi par sa croyance en la réincarnation de l'âme après la mort. Elle croit donc, comme Victor Hugo d'ailleurs, que l'âme est immortelle, qu'elle se retrempe dans Dieu avant de se réincarner pour progresser en sagesse. En cela, ils rejoignent tous deux le penseur français Allan Kardec, codificateur et père du spiritisme. Mais des préoccupations plus terre à terre agite aussi George Sand. En effet, son mari, le baron du Devant, mène une vie dispendieuse au château de Nohant. Il s'adonne à maintes vices avec Hippolyte, particulièrement l'alcool. Elle s'inquiète avec raison et pense que le baron pourrait provoquer sa ruine. Elle contacte alors Michel de Bourges, un avocat célèbre, connu pour son talent oratoire. Sa décision est prise, elle veut obtenir une séparation en bonne et due forme d'avec son mari. Alors, ce faisant, Bourges tombe sous le charme de la belle romancière. Ce qui devait arriver arriva, les voilà amants. En février 1836, grâce à une plaidoirie enflammée, Michel de Bourges obtient la séparation aux dépens du baron. Le tribunal reconnaît qu'elle a subi de la part du baron des injures graves, des sévices et des mauvais traitements.
Ce dernier doit donc continuer à verser à sa femme une pension de 3000 francs annuels. De plus, il est sommé de quitter le château de Nohant. Désormais, elle va partager sa vie entre Paris et le Berry avec sa fille Solange, 8 ans, et son fils Maurice, 13 ans. Elle n'aura plus jamais à supporter la présence de son mari. Alors pour sa part, Michel de Bourges va avoir une influence politique importante sur la baronne. Déjà ouverte aux idées républicaines, il va la convertir au socialisme. Son appartement parisien se transforme alors en un cercle républicain. Mais une fois encore, sa relation amoureuse est vouée à l'échec. Bourges est un homme marié et il ne souhaite pas sacrifier sa famille et sa réputation. Il se sépare donc d'un commun accord en juin 1837. La baronne quitte Paris et trouve refuge dans son château de Nohant. Pour se consoler, elle y revoit Franz Liszt, accompagné de sa maîtresse, la comtesse Marie d'Agoult, qui tient un salon littéraire à Paris. Le compositeur, francophone, écrit: je suis allé chercher un abri dans le coin le plus reculé du Berry, si divinement poétisé par George Sand. Là, sous le toit de notre illustre ami, j'ai vécu 3 mois d'une vie pleine et sentie, dont j'ai pieusement recueilli toutes les heures dans ma mémoire. En mars 1837, elle publie « Lettres à Marcy » dans Le Monde, journal de l'abbé Lamennais, un progressiste en froid avec le pape. Alors, dans cette succession de lettres ouvertes, elle prône l'enseignement de la philosophie aux jeunes filles. Elle écrit « Chaque âge, chaque sexe, chaque position sociale doit trouver dans la philosophie un aliment proportionné à ses forces et à ses besoins. » Puis elle déclare: « La nature mâle, que l'on décrit supérieure à la nature femelle, ne peut pas l'être, puisqu'il n'existe qu'une seule nature supérieure, la nature divine. » Elle défend aussi l'idée du divorce, autorisé sous la Révolution, mais désormais interdit sous la monarchie constitutionnelle du roi Louis-Philippe. Et George Sand conclut ses lettres à Marcy, en s'élevant contre la soumission de la femme à l'homme. Elles feront donc grand bruit. Alors, grâce à Liszt, la baronne croise le chemin du jeune Frédéric Chopin. Il a 27 ans, elle en a 34. À partir de juin 1838, la romancière entame une liaison amoureuse avec le jeune pianiste franco-polonais. Afin de sceller leur amour, ils s'embarquent pour Majorque, la plus grande des îles des Baléares, en mer Méditerranée. Ils sont accompagnés des enfants de George Sand, Maurice et Solange. L'île est magnifique, mais ils éprouvent les plus grandes difficultés à se loger. Il n'y a quasiment pas d'hôtel et très peu de meublés disponibles. Ils parviennent tout de même à louer un petit appartement à Palma de Majorque. Mais ils vont vite se faire chasser par les habitants. En effet, Chopin est atteint de tuberculose, ce qui effraie les locaux. En décembre 38, nos 4 voyageurs sont contraints de trouver refuge dans un monastère chartreux de l'île. Le site est enchanteur,
mais les conditions de vie en cellules monacales sont spartiates. Dépité, il quitte Majorque en février 1839. Il rejoigne alors Barcelone, mais c'est un voyage éprouvant pour Chopin, bien malade. Il gagne finalement Marseille, où Chopin parvient enfin à se reposer et à se rétablir. Puis il rejoigne Nohant et y passe l'été. Le périple de Majorque fut un voyage d'enfer qui n'aura pas tenu ses promesses. George Sand tirera toutefois de cette mésaventure un récit de voyage intitulé « Un hiver à Majorque ». Elle le publiera en 1841 dans la Revue des Deux Mondes. Elle va y décrire la lutte de pauvres paysans majorquais face aux riches propriétaires terriens, tout en critiquant ouvertement leur religiosité. Durant l'hiver 39, la baronne et Chopin quittent le Berry pour s'installer à Paris. Dorénavant, leur relation est devenue une relation mère-fils, en raison de la tuberculose chronique de Chopin. Le pianiste est un malade exigeant et capricieux. Les disputes sont fréquentes. Les enfants de la romancière, Maurice, 16 ans, et Solange, 11 ans, ajoutent à la discorde. Les liens de George Sand se distendent avec sa fille. Une préférence marquée pour son fils Maurice s'affirme. Et ainsi se déroule la vie, aller-retour chaotique entre la capitale et le Berry, agrémenté de nombreux visiteurs au château de Nohant. En septembre 1844, l'engagement politique de la baronne prend forme. En effet, elle fonde un journal local, l'Éclaireur de l'Indre, avec un ami d'enfance, Charles Duvernet, qui partage ses idées progressistes. Elle écrit notamment des articles dans lesquels elle défend les communaux auxquels sont très attachés les pauvres paysans sans terre. Les communaux sont en fait des territoires appartenant aux villages et non aux seigneurs locaux. Chaque paysan peut y faire paître gratuitement quelques bêtes, y ramasser du bois de chauffage, chasser ou pêcher. Elle s'indigne aussi contre les mesures d'enfermement qui frappent les mendiants et les aliénés. Ainsi, elle publie dans l'Éclaireur de l'Indre un texte magnifique intitulé « Le père va tout seul ». Il s'agit de l'histoire d'un vieux mendiant que nourrissent à tour de rôle les paysans d'un village afin qu'il ne soit pas emprisonné par la gendarmerie royale. Elle promeut donc dans son journal un esprit social, fait d'entraide et de générosité, et proche du peuple des campagnes. Autre combat qu'elle développe, celui contre la peine de mort, qu'elle considère comme un acte barbare. Nous voilà désormais en 1846. George Sand publie « La mare au diable ». Alors, c'est une fiction idéalisée d'une intrigue amoureuse dans la campagne berrichonne. Elle insiste sur l'intelligence et la finesse des paysans, ces humbles si souvent moqués par les élites. Le succès est immédiat. La mare au diable reste l'une des œuvres les plus lues de l'auteur. À cette période, sa fille Solange s'éprend d'Auguste Klesinger, un sculpteur jurassien endetté qui vient de réaliser le buste de la baronne. Solange se marie en mai 1847
contre l'avis de sa mère. Le jeune couple demande une aide financière à George Sand, qui refuse. Il s'ensuit une sérieuse dispute. Maurice prend le parti de sa mère contre sa sœur. Et finalement, George Sand chasse de Nohant Solange et Auguste. Chopin, très lié d'amitié à Solange, en prend offense. Il rompt alors une liaison de 10 ans avec George Sand. Alors, afin de fuir cette atmosphère de drame, la baronne décide d'écrire ses mémoires. Elle les intitule « Histoire de ma vie », un projet qui lui prendra 7 années et qu'elle achèvera en 1854. Alors, il s'agit d'une analyse assez pénétrante de son enfance, d'une famille brisée par la mort du père, et les crises familiales qu'elle traverse. Elle y expose aussi ses vues sur la religion et sur la place de la femme à son époque. À ce titre, « Histoire de ma vie » est un formidable ouvrage pour qui veut comprendre la société du XIXe siècle. En février 1848, George Sand assiste à la chute du dernier roi des Français, Louis-Philippe. Elle se réjouit de l'avènement de la Deuxième République. Hélas, en mai et juin 48, de grandes manifestations ouvrières sont réprimées dans le sang. Cette République sociale qu'elle avait appelée de ses voeux prend un tournant nationaliste conservateur. L'Empire est proclamé en décembre 1852. Il marque la fin des illusions politiques de la romancière. Alors, 3 années après le succès de La Mare au Diable, George Sand publie La Petite Fadette. Ce livre appartient de nouveau à ce que l'on appelle un roman champêtre. Alors, Fadette est une petite fille, la fille d'une guérisseuse de village qui pratique la sorcellerie. 2 jumeaux, Landry, fort et courageux, et Sylvinet, tendre et affectueux, se disputent l'amour de Fadette. Fadette, après de multiples rebondissements, finira par épouser Landry alors que son frère s'engage dans l'armée, pour oublier son chagrin. Alors, Baudelaire, en bourgeois dandy et cruel qui méprise le peuple, dira de George Sand « Elle est bête, lourde et bavarde. Elle a la profondeur de jugement des concierges. » Le succès est pourtant au rendez-vous, comme pour contredire le poète. Les années qui viennent de s'écouler ont été jalonnées de drames pour George Sand. Elle déclare « Mon cœur est un cimetière ». Elle souffre de sa séparation avec Chopin et plus encore de sa rupture avec sa fille Solange. D'autant que devenue grand-mère, elle perd en mars 48 sa petite fille, Jeanne. Quant à son demi-frère, Hippolyte, il meurt en décembre. En mai 49, elle doit faire face à la mort de sa fidèle amie, l'actrice Marie Dorval. Et en octobre, le décès de Chopin la bouleverse. Le célèbre écrivain Honoré de Balzac, avec qui elle a entretenu une riche correspondance durant 19 ans, disparaît à son tour. Elle se replie sur elle-même et écrit « La vie est une longue blessure qui s'endort rarement et ne se guérit jamais. » Mais tout n'est pas si noir. Son fils Maurice lui présente un camarade graveur, Alexandre Monceau. Il a 32 ans
Elle en a 45. En avril 1850, elle écrit à propos de Manceau. Oui, je l'aime. C'est un ouvrier qui fait son métier d'ouvrier. Il est incroyablement artiste par l'esprit. Son intelligence est extraordinaire. Je l'aime de toute mon âme. Je suis comme transformée, tranquille, heureuse. Malgré mon âge, il m'aime comme je n'ai vu personne m'aimer. Et ainsi, pendant 15 ans, Manceau va vivre fidèlement à ses côtés. À partir de 1852, il commence un journal intime dans lequel il relate sa vie aux côtés de George Sand. Elle-même va se mettre à coécrire avec lui ce journal intime qui sera publié à titre posthume sous le titre « Agenda ». C'est une période particulièrement prolifique pour l'autrice. Elle écrit environ 50 ouvrages en 15 ans, dont des romans et des pièces de théâtre. Elle vit enfin un amour tendre et apaisé. Mais Alexandre, atteint lui aussi de la tuberculose, décède en juin 65. Au château de Nohant, elle décide de s'installer dans la chambre qui fut celle de son compagnon. Elle a 61 ans et vivra seule désormais. Deux années avant le décès d'Alexandre Manceau, George Sand avait fait la connaissance de Gustave Flaubert, son cadet de 17 ans. Elle le rencontre lors d'un dîner littéraire où se retrouvent Sainte-Beuve, Théophile Gautier, Maupassant, Dumas-Fils et bien d'autres. Il va naître de cette rencontre une formidable correspondance et une amitié indéfectible. Il sera désormais un hôte incontournable au château de Nohant, où il se parle à cœur ouvert. À cette époque, George Sand se passionne pour la graphologie. Elle admire l'abbé Michon, fondateur de la Société française de graphologie. Michon dit d'elle, elle est très forte en graphologie intuitive, ce qui ne manque pas de la flatter. Elle étudie également l'ouvrage du Suisse Lavatier, théoricien de la physiognomie, une théorie fondée sur l'observation des traits du visage comme révélateur de la personnalité des individus. En 1872, elle mène un dernier combat, celui de l'écologie. Elle ne porte pas pour rien le titre d'écrivaine champêtre. Dès l'enfance, elle s'intéresse aux sciences naturelles. Adulte, elle va gérer les terres du château de Nohant de façon scientifique. Elle recherche notamment les conseils de botanistes, de géologues, d'étymologistes. Enfin, et personne n'est surpris, quand elle s'oppose violemment au projet du gouvernement d'Alphonse Thiers qui souhaite raser une partie de la forêt de Fontainebleau. Elle publie un article de 12 pages, très argumenté, et déclare « Si on y prend garde, l'arbre disparaîtra et la fin de la planète viendra par dessèchement, sans cataclysme nécessaire, par la faute de l'homme. » Et elle obtient gain de cause et sauve la forêt de Fontainebleau. Alors, désormais seul, George Sand continue à écrire environ 2 romans par an. Mais elle souffre de douleurs intestinales qui s'intensifient. Elle n'en parle à personne, mais écrit à son médecin en mai 1876.
Il diagnostique une occlusion intestinale qui la garde alitée. Les douleurs deviennent à peine supportables. Son fils Maurice reste à ses côtés et sa fille Solange, avec qui elle était brouillée depuis près de 20 ans, lui revient. Ses deux enfants vont l'accompagner jusqu'à sa dernière heure. Georges Sand décède finalement le 8 juin 1876, après 4 heures d'agonie, à l'âge de 72 ans. Ses derniers mots sont « Il faut garder verdure ». Elle fait allusion au jardin du château qu'elle avait tant aimé et qu'elle voulait éternel. Alors, selon ses vœux, Georges Sand est enterré sur ses terres, au domaine de Nohant, aujourd'hui ouvert au public. Flaubert est effondré et les hommages pleuvent à sa mort. Je n'en cite ici que quelques-uns. Dostoïevski déclare « L'un des plus nobles représentants du sexe féminin est mort. Une femme d'une force d'esprit et d'un talent presque inouï. Son nom, dès à présent, devient historique. Elle ne disparaîtra jamais. » Le philosophe Ernest Renan écrit poétiquement « Une corde s'est brisée dans la lyre du siècle ». Pour sa part, le poète américain Walt Whitman affirme que les héroïnes de George Sand sont supérieures à celles de Shakespeare. Mais laissons à l'incomparable Victor Hugo le mot de la fin quand il écrit dans son éloge funèbre « Aujourd'hui, je pleure une morte, mais je salue surtout une immortelle. » Je vous remercie. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci. Vous pouvez ouvrir vos microphones si vous avez quelques questions, quelques remarques, commentaires. N'hésitez pas, bien sûr. Si elle habitait aujourd'hui, peut-être elle sera un membre du mouvement MeToo, n'est-ce pas? C'est vrai qu'elle a un côté féministe absolu, tout à fait. Elle avait contesté toute sa vie l'autorité des hommes, et puis c'était une femme qui était absolument indépendante, comme on l'a vu. Donc oui, ça, vous avez raison, ça ne m'étonnerait pas, sans doute. On ne l'a traité jamais de nymphomane. Non, c'est vrai. Des amants à tour de rôle. Voilà, alors à tour de rôle, elle était toujours fidèle quand elle était dans une relation. Mais ceci dit, vous savez, c'est intéressant parce que, en fait, culturellement, à l'époque, il était tellement fréquent que les hommes aient des maîtresses qu'on n'en parlait finalement jamais. Je veux dire, si on regarde Alfred de Musset a eu bien plus de maîtresses que Georges Sand a eu d'amants. Mais quand une femme est libre ou se libère de la tutelle des hommes, alors finalement, on est assez étonné et on dit « mais mon Dieu, elle a eu 6 ou 7 hommes dans sa vie ». Alors que c'était une chose qui était absolument fréquente mais dans les milieux bourgeois, hein, parce que ça se passait dans les milieux littéraires et dans les milieux bourgeois ou aristocratiques, bien sûr. Mais c'était fréquent pour les hommes, beaucoup moins, vous avez raison, pour les femmes. Oui, tout à fait. D'accord.
Merci. Mais il y avait une certaine misogynie. Hein. J'ai cité Baudelaire, j'aurais pu en citer d'autres. Émile Zola avait toujours été très critique avec elle, etc. Le fait qu'elle soit une femme, ça lui a rendu la vie quand même assez difficile. En fait, on a voulu la diminuer parce qu'elle écrivait surtout des romans ou des nouvelles qui se passaient dans le cadre de la campagne. Elle aimait beaucoup les paysans qui étaient quand même méprisés par les élites, hein, comme les ouvriers. Et donc, elle a prêté le flanc à énormément de critiques. Mais ceci dit, c'est vrai que lorsqu'elle s'intéressait au peuple, elle s'intéressait surtout au peuple des campagnes parce que c'était le peuple qu'elle connaissait. Elle ne connaissait pas vraiment le peuple ouvrier, le peuple des villes. Quand elle allait à Paris, elle rencontrait la haute société. Donc, elle n'a pas eu vraiment beaucoup de contact avec les ouvriers urbains, si je puis dire. Par contre, elle connaissait très, très bien la paysannerie qu'elle aimait beaucoup et qu'elle défendait. D'accord, merci. Merci. Merci Eric pour cette magnifique description et histoire d'une grande dame. Oui. C'est intéressant qu'elle avait repoussé sa mère, sa mère maternelle, donc la vraie mère, à cause de ses liaisons. Et pourtant, elle en a fait tout autant, mais avec, évidemment, avec un panache et une classe bourgeoise et artistique, etc. Oui. Ceci dit, il y a une différence. Je crois que j'ai dit que Madame de Saxe, dont la grand-mère d'Aurore, de Jean Saxe, lui a dit que sa mère vivait de ses charmes. Ce qui est un peu différent parce qu'il y a un aspect courtisane et financier qui n'existait pas chez George Sand. Je pense que quand elle a été blessée, quand elle était enfant, qu'elle a appris par sa grand-mère que sa mère vivait de ses charmes, elle n'a sans doute pas véritablement compris exactement ce que ça voulait dire. Bon, elle avait compris qu'elle avait des relations. Mais Madame de Saxe, la comtesse, avait été assez cruelle avec sa petite fille. Elle voulait vraiment mettre une distance entre sa petite fille qu'elle adorait et sa mère Victoire qu'elle avait toujours rejetée parce qu'elle venait d'un milieu social qui n'était pas le sien. Oui. Et ce qui est étrange, c'est que le château de Nohant et toute la fortune de la grand-mère n'a pas été partagé avec Hippolyte, qui était le fils de son propre fils, non ? J'ai bien compris. Oui, mais Hippolyte, c'est un enfant qui était né hors mariage, alors que le père de Georges Sand avait eu avant d'être marié à Victoire, alors qu'il avait eu une aventure avec une bonne. En fait, l'une des bonnes de la grand-mère qui vivait au château de Nohant. Et il n'a jamais reconnu cet enfant. Donc, il n'en était pas officiellement le père. Ceci dit, la grand-mère a élevé Hippolyte et lui a donné une très bonne éducation et elle l'a gardé au château. Et d'ailleurs, le précepteur, c'est-à-dire celui qui éduquait Aurore quand elle était petite, a éduqué en même temps Hippolyte. Absolument. Donc, il ne pouvait pas hériter, Hippolyte. Ouais. Et puis, de toute façon, je pense que même s'il avait été reconnu, la comtesse aimait tellement Aurore qu'elle aurait sans doute donné le château ou sa fortune. Fait passer sa fortune à Aurore. Absolument. Et puis, vous savez, c'était une femme aussi, c'était une femme de caractère, la comtesse. Elle était féministe d'une certaine manière. Hein. C'était une femme des Lumières. Alors, bon, par sa génération, moralement plus conservatrice que sa petite fille, mais elle était quand même féministe et je pense que le fait de passer son domaine à une autre femme avait son importance également.
Vous avez parlé de Dostoïevski et Whitman. C'est intéressant qu'il était connu partout, dans tout le monde, n'est-ce pas? Oui, alors elle était, je dirais qu'elle était surtout quand même connue en France, mais il y avait beaucoup en fait d'écrivains ou d'intellectuels internationaux qui lisaient le français, voilà, tout à fait, et donc de Russie, etc., ou même des Anglais qui parlaient français. C'était encore une époque où le français était là, sinon l'une des vraiment des deux grandes langues internationales. Donc elle était lue en français. Je pense qu'elle a été traduite plus tard. Mais là, il faudrait vraiment parler à un spécialiste. Mais je pense qu'ils l'ont tous lu en français, dans sa langue d'origine. Oui. Et Catherine the Great écrit à Voltaire, n'est-ce pas? Catherine oui, the Great. Ah, mais oui. Non, mais tout à fait, parce que donc la cour, toute la cour de Russie parlait français. Le déclin a commencé un petit peu avec Napoléon, hélas. On le remarque pas assez, mais quand Napoléon a lancé sa guerre folle contre la Russie, ça a énormément joué, ça a fait beaucoup de mal à la francophonie d'une certaine manière, parce que beaucoup de peuples et d'aristocrates qui parlaient le français, finalement, se sont un petit peu retournés ensuite contre la France, donc contre la langue française. Et c'était un petit peu le début du déclin du français dans l'aristocratie russe, même s'il faut le dire, jusqu'en 1916, tous les aristocrates russes parlaient le français. Et même d'ailleurs, j'ai une de mes élèves qui peut-être est parmi nous aujourd'hui, qui est russe, et à chaque fois qu'on a des leçons de français, elle me dit « Ah, mais ça, c'est un mot que nous utilisons en russe, donc le mot français. » Donc, il y a encore des influences, une sorte d'héritage dans la langue russe, tout à fait. Et il y a beaucoup de dialogues dans les romans de Tolstoï et Turgenev en français. Absolument, qui sont carrément écrits en français. Oui. Tout à fait. La paix et la guerre, c'est en français. Beaucoup de portes, oui. Tout à fait. Oui. Et Anna Karenina aussi, dans ce roman. Oui, absolument, absolument. Et donc, c'est vrai qu'à l'époque des romanciers ou des écrivains romantiques français, c'était un avantage d'écrire en français, puisque le monde, si je puis dire, le monde intellectuel ou aristocratique, vous lisez. Un peu comme aujourd'hui en anglais, alors bien sûr, les auteurs anglophones ont un grand avantage, parce qu'énormément de personnes soit parle anglais ou lise l'anglais, donc c'est vrai que ça participe au rayonnement, tout à fait. Merci. Voilà, so I'm not sure there are any more remarks, and by the way, if you don't feel comfortable speaking in French, please do feel free to say something in English. Just wanted to add real quickly, when I visited France and I would say je suis américain, the attitude that they come si, comme ça, but if I add that I was originally from Russia, the attitude completely changed. So that may be not the case today, but it was then. So I just wanted to say that. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Eric. Oui. Merci, c'est très gentil de votre part de venir assister, aussi nombreux et nombreuses, en tout cas, ça me fait toujours plaisir. Ouais. Est-ce que c'est la dernière de la série? Voilà, alors nous avons conclu, c'était la dernière des femmes de plume de la série. Et alors là, on va changer de thème et de sujet complètement, puisque je vais commencer à partir du mois de mai une série sur les grands navigateurs et explorateurs français. Donc, on va parler d'abord de Jacques Cartier, bien sûr, découverte du Québec. Et puis, on parlera aussi ensuite de Cavelier de La Salle, hein, la fameuse De La Salle University.
de La Pérouse, de Bougainville et de Dumont-d'Urville. Donc, ce sont cinq grands navigateurs. Et on va traverser comme ça trois siècles d'histoire, d'exploration, de découverte. Donc, j'espère que cela vous intéressera également. Donc, ouais. On va beaucoup voyager. Oui. Eh bien. Excellent. Très bien. C'est très bien. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Merci encore. Merci à toutes et à tous. Et j'espère donc vous retrouver au mois de mai. Je crois que c'est le 18 mai. 18 mai. Pour parler tout à fait de Jacques Cartier. Très bien. Merci encore. Au revoir. Merci. Toujours un plaisir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bien. Au revoir. Merci. Merci.